OK! Mesdames et messieurs, Wamiens et Wamiennes, voici venu l'heure de votre rendez-vous télévisé préféré. Aujourd'hui, spécialement venu des rives du fleuve Congo, l'un des rois du groupe de la rumba sera avec nous pour un show exceptionnel. Mais en attendant, recevez ici et maintenant celui que tout le monde attend, l'inimitable Willy Dembo. Merci, 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 asseyez-vous, merci, merci la famille, merci, merci. Merci, ouais, ouais, ouais. Il s'en passe des choses ici en tout cas. Franchement, il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Des gens qui courent à moins de 30 secondes seulement pour venir ici et annoncer. Il y a des choses qui s'en passent ici. Il y a des pianistes qui décident de ne plus faire le piano, mais de tout simplement chanter. Les bas, les bas. Et souvent aussi, on a le jeune là-bas, Marco. On ne sait pas ce qu'il fait, mais il est là seulement. Et on a surtout ce magnifique public-là qui est avec nous. Merci. À vous. Yep. Si vous aimez le ndombolo, la rumba, le sébène et surtout la bonne ambiance à l'africaine, alors vous êtes à la bonne adresse, issu d'une des formations les plus emblématiques du continent. Mon ami du Midi est l'un des plus grands noms de la musique africaine. Musicien au talent immense et surtout à la réputation internationale, il part de succès en succès depuis maintenant des décennies, pour ne pas dire, ouais, des décennies, plus d'une vingtaine d'années, et il semble clairement se bonifier donc avec le temps. Aujourd'hui, on va danser comme jamais, celui qu'on appelle le grand Zangoul, l'indémodable, le suprême lampadaire, Roga Roga Missile, sera là dans quelques instants. Et tenez-vous bien, juste après la sortie de son nouveau single baptisé Nzungu la marmite, il a décidé bien sûr donc pour sa première apparition télé après la sortie de ce single-là, bien sûr de le lancer, de l'offrir ici à Live TV, précisément sur votre émission préférée WAM. Et je pense que ça applaudit encore s'il vous plaît. Voilà. En attendant de se mettre bien avec l'auteur de Bokoko, mieux maintenant Nzungu, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dembo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT Midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Hop, à quoi va la famille? Merci infiniment d'être avec nous. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 28 novembre 2023. Oui, l'année 2023 est en train de tirer allègrement vers sa fin. Et croyez-moi, janvier vous réserve de belles surprises, février vous réserve de belles surprises, la Côte d'Ivoire vous réserve de très belles surprises à l'approche de la CAN. Je pense que la Côte d'Ivoire va offrir la plus belle CAN à l'Afrique. Mais avant, lui, il vous offre la une des journaux avec donc des meilleurs atalakou. Je vous demande de faire du bruit, s'il vous plaît, pour Landry Blessing. Oui. Oui. Est-ce que ça va? Kosovo. Oui. Combilo, tapez dedans. On y va. Allez, montez. Sibi, yoka mama 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 mama. Voilà ça, hey, voilà ça, oh. On dit le 1er décembre, ils m'ont fait le grand nettoyage et le grand nettoyage. Oh, 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 si les fondateurs des villes, oh, oh, on vous a prévenu, chacun doit prendre cette disposition. Oh, 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 maman. Oui, est-ce que ça va? À la fin de le jour, football et le vent de Côte d'Ivoire, voici les lacunes. Le trophée là, doit rester ici. Le pays a trop besoin de ça. Hey, éléphants et les consciences. Nous tous on est derrière vous. Hey, on vous soutient, oh, oh, oh. Avec amour, avec amour. Force à vous, éléphants. Oui. À la une, sika, sika, pila, c'est yo-yo. Banque, banque, de nos principes. Oh,
monde met la mélodie, doit signer. La voix rebelle et mélodie. Oh, maman, 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 y'a mille rêves. Ici, c'est Willy à midi. Tout le monde est yé, wa, wa, wa. Allez, wa, 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 wa. Allez, mange maintenant, mais la nuit va singer la robe et les mélodies. La gomme à salut, bote mal à gomme à de la qui va moana. Ils sont contents, la gomme à mota, la ganaka. Sobina, combina, tombe. On y va. Est-ce que ça va les bébés? Allez, mange maintenant, mélange, blessing, la va rebelle, mélodie, la va mazal, la motte, malaka, la cabine, la gaba qui va, la gaba, 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 la. Habituellement,
tu viens, personne ne parle. Tu es là, c'est toi toujours, tu es là. Dando, tu es là, tu es là. Ça peut être, tu es trop fort que je fais ça. Tu es trop fort, tu es trop fort. Envoyez la pub à tout à l'heure. Yep. On est donc tous sur le plateau du web. Merci infiniment d'être avec nous. Yep. C'est le deuxième numéro de cette semaine, là, la dernière donc de ce mois de novembre 2023. Allez, à présent la vidéo du moment, un a cappella mémorable du Daïkada sur le plateau de Pipolémique sur la 3. Voilà, ce sont les aventures du Daïkada. L'enfant là, il est trop sûr de lui. Regardez. Voici le morceau chicoté, chicoté, chicoté. À qui je veux chicoter, sur le métier. Si tu n'as pas adoré ton métier, je vais te chicoter. Voici le chicoté, chicoté, chicoté. Allolo, allolo, non, allolo. Allolo, coupé décalé. C'est pas du tout facile. Voici le coupé décalé. Appelez-moi désormais Waraba. J'ai vendance en tant que Waraba. Niveau concert, chicoté, chicoté. Hein? Mais Yedio, lui là, si lui il veut pas courir avec nous, maintenant il veut nous chicoter quoi. De façon à lui, c'est quel beat tu vas lui donner? Non, on t'entend pas, donne le beat seulement, laisse affaire de gérer ça. Toi tu penses que c'est tout qui est fait des générations quoi. Ouais, le Daïkada, tu es vraiment un ambassadeur culturel. Et cette histoire de chicoter, chicoter, là, ça a chauffé au pays ici. Qui va se laisser chicoter par le Daïkada? Parce qu'il a grossi le cœur. En tout cas, bonne continuation à toi. Et puis, on attend ton bengue toujours. Voilà. Ou bien? Oui. Si lui, il est allé au bengue, on est mort. Allez, la suite avec les pépites. Pépite 1, tu es devenu gardien. Bon, l'amour, là. Un jour, les gens vont se blesser dedans, je suis sûr. Willy, hein? Là où ça s'en va, là, les gens vont se blesser. Hein? Ouais. Il dit, j'ai fini de causer avec ma fiancée. Hein? Elle a oublié de raccrocher et j'entends, bébé, te fâche pas, hein? C'est notre gardien. Hey. Ah, femme. Ouais. Bon, mon ami, toi, tu te promènes dans Abidjan, là, toi-même, tu sais même pas même que tu es devenu vigile. En tout cas, il y a quoi à toi? Ce qui est sûr, il n'y a pas de son métier. Ah, ça va aller. Ça va aller. Quand c'est mon gardien. Hé, hey, femme. Pépite 2, supprime vite. Vite. Willy. Hein? Il demande à sa chérie. Parce que d'abord, on voit Audrey a supprimé un message. Encore une Audrey. Oui, toujours la Audrey. Non, la Audrey là, vraiment. Il demande, Audrey, c'est quel message tu as supprimé là? Elle a dit quoi? J'ai écrit, j'ai besoin d'argent. Il dit, ah, ok, supprime encore. Pas vite, supprime. Audrey, pas vite, supprime ça là. En tout cas, rapidement même. Faut enlever ça devant moi-même. Vite. Ah, trop de problème. La chérie, pardon, supprime vite. Qui s'appelle Audrey ici? Supprime vite. Non, ce n'est pas pour toi. Il demande qui s'appelle Audrey ici. Ah, Dieu merci. Même si elles sont là, elles vont jamais se déclarer. Là, c'est bon maintenant. Pépite 3, un petit conseil pour ceux qui craignent pour leur sécurité à la maison. Willy. Oui. C'est un conseil rapide, hein. Hein? On dit. Quoi? En Côte d'Ivoire, si tu veux des gardiens pour surveiller ta maison gratuitement, c'est très simple. Installe un Wi-Fi chez toi et ne mets pas code. Toi-même, tu vas voir. Si tu veux. je crois, petit, je crois. Et puis, c'est pas faux, hein. Quand tu as Wi-Fi chez toi à la maison, il y a un foule devant chez toi comme ça. Tu entends boudoum, 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 boudoum. Et puis, c'est un qui télécharge les choses. Je te jure, hein. C'est ton Wi-Fi. Après, toi-même, le jour où tu veux te connecter, vrai, la même, on te dit que tu n'as plus Internet. Faites ça, et puis vous allez voir des dizaines de jeunes tous les soirs, à toute heure, même le matin, devant votre porte. C'est pas gardien cadeau qui est là. C'est gardien cadeau. C'est pas comme ça on fait. C'est comment on fait? Quelqu'un a dit bénévole, c'est ça, bénévole du Wi-Fi. Pépite 4, champion, Yako. Quand tu n'as pas l'argent dans le pays, là, vraiment, tu souffres même. Trop de frustration. Willy, trop de frustration. Oh. On dit, mon ami a acheté iPhone 6 pour sa copine. Ouais. Son pointeur a pris iPhone 6 là. Il a troqué pour lui donner iPhone 15 Pro Max. Hey. Oh
Oh. On peut souhaiter l'homme comme ça. Mon frère, faut pas laisser, hein. Faut aller chercher ton iPhone 6. Va chercher ton iPhone 6 chez elle, même si elle va aller repartir chez, je sais pas moi, c'est son... Elle a troqué là. Elle a troqué là, ils vont lui remettre ça. C'est quoi? Ils n'ont qu'à aller chercher. On sait seulement là, faut pas laisser. Faut pas laisser d'elle. Moi, t'es donné à la sueur de mon front iPhone 6. Ton pointeur vient prendre pour aller faire troc. Et puis te voir Pro Max 15. Mon iPhone 6, ça tient, mais rien de ça. Je te jure, d'ailleurs même Pro Max 15 qui t'a donné là même là, c'est Dubaï. C'est fort même Allah, Dubaï. C'est Dubaï, c'est Dubaï même. Pépite 5, le loup témoignage. Willy, hein? Il dit quoi? Le jour de mon mariage, oui. Je prendrai 3 heures pour témoigner. J'ai tellement souffert en amour. Hey. Le jour de mon mariage, je vais prendre 3 heures pour témoigner. 3 heures est petit même. Toi, t'as prendre combien? Au moins 2 jours pour parler. Au moins 2 jours. Il y a certains qui ont parlé pendant des semaines. Tellement gourmet trop. Et des mois, tellement gourmet trop. Je te jure, quelqu'un veut expliquer son gourmet ici? Passe le... Ouais, il y a un gars en vert là-bas, là. Donne le micro, oui. Lève-toi, Kouyaté. Lève-toi, présente-toi. Attends, tu es marin? Marin. Ah, mais comme tu es en vert là. Ah. Il voulait dire, je ne suis pas parrain. Parrain, ouais. Il voulait dire, je ne suis pas parrain. Ouais, vas-y le frère. Ah, elle, son nom, c'est Malène. Malène. Ouais. N'a pas peur de dire le nom en public comme ça. C'est Malène. Elle t'a fait quoi? Ah, elle m'a laissé Zidal. Elle dit de l'attendre Zidal là. Qu'elle va venir me donner quelque chose. Je suis là jusqu'aujourd'hui. Mais Dieu merci, tu t'es pas jeté. C'est bon, ben. Attends, Malène. C'était où ça? Dal d'Atek ou bien Williamsville? Non, c'est pour Yopougon. Là-bas, il pleut beaucoup. Ah, elle s'est pas passé, elle a vu sa chaîne noire dans ta main. Peut-être c'est pas qu'on vous a envoyé. Ah, c'est ça aussi. Elle va venir m'en laisser là-bas. Jusqu'à... Donc, regarde la caméra et puis dis-lui, passe lui un message là. Malène. Non, pas là-bas, ici. T'as lui, il ne voit plus même Malène. Malène. Tu as raison. C'est moi qui ai créé ça là. Merci beaucoup. Ouais. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour et bienvenue à Raconte-moi ton gourmet. Des expériences hors du commun, des histoires vécues, des histoires vraies. Aujourd'hui, dans ce public, nous avons des personnes qui souffrent du gourmet. D'autres ont été laissés sur la dalle. Heureusement, ils ne se sont pas jetés de l'autre côté. Nous allons enfin maintenant écouter, hormis l'histoire de Marlène, une autre histoire maintenant. Willy, celle de... J'ai le témoignage de Dorcas ici. Dorcas. Un témoignage brûlant par rapport au gourmet. Dorcas, la Côte d'Ivoire t'écoute. Parle de ton gourmet. Vas-y, Dorcas. Voilà. Un mois, je le cherche, je ne le vois pas. Hey. Je lui envoie un message. Oh. Mais il y a quoi? Tu es passé où? Hey. Il me dit... Et oublié qu'en étant en couple. Oh! Aïe! Il n'y a pas mouchoir. L'histoire de Dorcas est vraiment pitiante. Oui, très pitiante. Pour ne pas dire, ça fait mal. Ça fait pitié. Il y a même un autre gourmestiné aussi derrière qui lui a offert un papier mouchoir. Oui. Le frère, nous t'écoutons. Quels sont tes problèmes? Elle s'appelle Audrey. Audrey encore. Hey. Non, tu crois. En fait, là, c'était moi qui ai fait le poste. Ah! Mais tu m'as attrapé. Oh! Nonobstant le fait qu'il ait fait le poste, nous retiendrons que son gourmet est en train d'étreindre sa voix au point de ne même plus en avoir. On n'entend rien même. Nous allons passer le micro à côté. S'il vous plaît, un autre gourmet. Bien sûr, bien sûr. Boris, après, nous t'écouterons. Vraiment, pour moi, c'était... J'ai trop mal, en fait. Oh! Non! Chers amis du gourmet, n'applaudissez pas. Écoutons-la, pleurons avec elle. On vivait ensemble. Puis un jour, je lui dis... Vous avez eu le temps de vivre ensemble, tout ça? Oui, on vivait ensemble. 6 ans ensemble. Là. 6 ans? C'est pas petit. Et ça, là, tu avais récolté au moins beaucoup de café cacao. Après, je suis allée. Je lui dis, j'ai perdu ma grand-mère, je vais au deuil. Il me dit que oui, moi, je vais en voyage. On dit ton gourmet à Bab. Après l'enterrement, Willy.
Ah. Je me connecte, on était au village, donc j'ai cherché réseau là quelque part. Je suis allée me connecter pour dire chérie, les obsèques sont finies comme ça. Quand je me connais, je vois sa photo sur Facebook. Il monte l'alliance. Hey. Donc, il partait se marier quand on s'est séparés. Hein. Oh. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a préparé le mariage. Ouais. Là, c'est pas Goumen, ça c'est Titanic même, tu as coulé même. Diaco. Il a préparé mariage comment alors qu'on vivait ensemble, je ne sais pas. Marié. Nous allons demander donc à nos gros bras ici de nous expliquer leur Goumen. Empereur, comment est-ce que tu as pu surmonter cette difficile épreuve? Nous l'écoutons. Ah, le père Willy. Eh, quand ça commence par le père, je suis tenté de savoir de quelle paroisse. Allô. On a débattu, mais ça fait mal. Adigbaté, plaît pas. Elle s'appelait comment, le frère? Non, le père, ça là, on parle pas. Ouais? Ouattara? On parle pas ça, là. On parle pas? Non. Et comment est-ce que tu as fait? Tu t'es bâchi? Ouais. Là, j'imagine quand il se bâchi. Je l'imagine quand il se bâchi. Pourquoi? Le père, vous le petit moyen, il était là. Excusez-moi. Excusez-moi si je casse. Bolo va témoigner. Oui. Depuis là, oui, il porte des blousons Sky. Des complets Sky. Boss. Oui. Moi, je n'ai pas eu Goumen. Ouais. Moi, j'ai jamais eu Goumen. C'est ce qu'il peut dire. Mais comment est-ce qu'il a surmonté son Goumen? Il allait Bassi pour annuler sa vie. Il allait Bassi. Sinon, moi, j'ai jamais eu Goumen. Ouais, c'est pas faux. Merci beaucoup. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Tellement bolo est bâchi, non? Même son cœur est bâchi. Son cœur ne peut pas Goumen. Ouais, bolo, ton corps est prêt. Excusez-moi, c'est le Goumen. Vraiment, ensemble, non au Goumen. Hey, Seigneur. C'est pour toi, en fait, de faire rire. Mais... J'imagine d'être très bas. Ah! Alors, poursuivez avec les faux buzz. Débarrons les faux buzz avec une nouveauté, c'est une exclusivité, c'est signé Dolisiana. Il est de retour avec un nouveau single baptisé Paya Décalé. On a un extrait de la vidéo, regardez. Ils ont créé quelque chose de bizarre. Les enfants l'ont créé quelque chose de bizarre. Le plus important, c'est la musique qui voit rien qui gagne. C'est Dolisiana, c'est le révolté. C'est les c'est les Fabi, ça on y a tombé dedans. C'est les racata, tonta, tonta, tonta. Dieu père, sale, faut tout malouer. Le maïmouna pour les montées. C'est le paya paya, il faut rattraper. Mon aroma, c'est la sagacité. Allez, tchaka, 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 tchaka. Bravo! Magnifique vidéo! Il a décidément donc de retour Dolisiana. On lui envoie beaucoup de force. En tout cas, allez télécharger. La vidéo est téléchargée, donc PA Décalé, c'est le nouveau single donc, qui signe le grand retour de Dolisiana. C'est sur toutes les plateformes légales de téléchargement, mais aussi donc, sur YouTube. Faites pleuvoir les millions de vues. Tout à l'heure, concernant les histoires dans les pépites, concernant les histoires des gars qui viennent et puis ils deviennent tes vigiles, en même temps passer à Wi-Fi, là, on dit il y a un gars à Yopougon. Il n'a pas mis code sur son Wi-Fi. Donc les gars qui venaient voler son Wi-Fi, eux-mêmes, ils ont mis code. Là, ils ne peuvent plus se. Oui, puis là, pour lui donner. Excusez-moi, j'ai là tout. Allez, breaking news encore. Cette fois-ci, c'est Axel Béril du Bénin qui revient avec un nouveau single. Le titre, c'est Maman. Un hommage donc à toutes les mères d'Afrique, mieux du monde encore. Il en fit avec Jacob, la nouvelle sensation d'Internet au Bénin là-bas, qui a été produit donc par le sieur Legend Beats. Écoutez, regardez. Sans toi, c'est
Bravo Axel Méril. Merci les gens de Beat. Et bravo aussi aux jeunes Djekomen. Djekomo, voilà. Affaire Fatima Sibé Goibi Syriac. Allez, je vous en avais parlé il y a de cela quelques semaines ici. Il s'agit de l'affaire qui opposait l'animatrice Fatima Sibé à la compagne donc de l'ex-international ivoirien. La présentatrice avait porté plainte contre la femme du footballeur pour diffamation, injures, harcèlement, divulgation de données personnelles et surtout atteinte à son image. Il y a quelques jours donc, NDR, la compagne de Goibi Syriac, avait présenté des excuses publiques à Fatima Sibé sur les réseaux sociaux. Elle avait reconnu avoir agi sous l'effet de la colère et elle regrettait donc la conséquence de ses actes sur les réseaux sociaux. Apparemment, bon, on va dire que ses excuses n'ont pas suffi à tasser l'affaire. Selon le média en ligne abidjanshow.com, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité PLCC a révélé que NDR avait été conduite devant le parquet avec pour chef d'accusation atteinte à l'image, diffamation et injure au moyen d'un système d'information. On reste à l'écoute donc pour vous tenir au courant de la suite de cette affaire-là qui, on l'espérait en tout cas, finirait en de bons termes. Voilà. Tikanja en concert. En prélude à son festival Africa Reggae Festival, Tikanja Fakoli organise un grand concert à l'espace Agora de Kumasi. C'est chez nous à Kumasi. Le show aura lieu le 8 décembre prochain avec Kajim, Spyro, Takana Zion de la Guinée, Mokala Miti et Tikanja lui-même. Une belle brochette de stars pour un moment exceptionnel. Rendez-vous est pris donc le 8 décembre avec le descendant de Fakoli à l'Agora de Kumasi. La personne qui t'a envoyé là, t'as parlé. Observateur rentre au pays. Et enfin, on n'est jamais mieux que c'est soi. Et le célèbre blogueur observateur l'a bien compris. Après tous les buzz, l'acteur et humoriste web décide donc de rentrer au pays sur sa page Facebook. La star du net a ironisé avec une publication. Observateur a écrit, je cite, « Je décide de mettre fin à 2 mois d'exil en France. Je rentre à Abidjan même si je ne suis pas serein, mais je rentre. Maca, ce n'est pas pour les animaux. » Bon, apparemment, observateur ignore encore que la maca est devenue la PPA, c'est ça, non? Voilà, donc le PPA, pour ne pas dire, donc le pôle pénitentiaire d'Abidjan. Bon, en tout cas, bon retour chez toi, observateur, et surtout que Dieu guide tes pas et te garde. Voilà, force à toi. Concert de Didi B, pourquoi JR Lamelo était absent? La question était sur toutes les lèvres. Beaucoup de fans se posaient la question, pourquoi est-ce que le rappeur JR Lamelo, qui avait collaboré avec Didi B sur le gros tube en haut, était absent lors de son récent concert au Parc des Expositions? On a enfin des pistes de réponse. Dans une publication sur Instagram, la page First Magazine a reporté les mots de Gina, la coordination, le manager de JR à ce sujet-là. Je le cite. Voilà. Nous avons été invités au concert, oui, je confirme, mais pas en tant que guest. Donc, j'ai catégoriquement refusé que JR vienne. On n'a pas besoin de concert de visibilité actuellement. Donc, laissez-nous en paix. Voilà un peu les mots de Gina, la coordination selon First Magazine. Il y a donc eu un malentendu entre le staff de JR et celui de Didi B. Espérons vraiment que les deux équipes finissent par trouver un terrain d'entente. Voilà. Félicitations, Ke Guevara. Un nouveau-né dans la famille 18 avril production. Ce week-end, DJ Ke Guevara a annoncé la naissance de son nouveau bébé. La star a révélé qu'il s'appelait, il s'appelait Zhao King. Voilà, Zhao King, qui est né donc le 25 novembre dernier. On ne peut que dire félicitations à toi et à ton épouse. Je pense que ça fait 4 fois Ballon d'Or maintenant. Ah, vraiment, ils sont prêts. Non, 3 fois Ballon d'Or. 3 fois Ballon d'Or, voilà, c'est ça. Donc, 3 fois champion d'Afrique. Un 18 avril. Il a vu le soleil à la maternité de Marcoli. Ah, Ke Guevara, qui t'a appris à faire si bon arrangement? Il est trop d'aéré. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Bonne arrivée au bébé. L'équipe de WAM viendra remettre les savons. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Imbra attaque le stade de Angers. Son nom rime avec la drill dans notre pays et sa hype, pour ne pas dire sa hype, ne cesse de grimper depuis ses derniers projets. Lui, c'est le rappeur Imra. Hier, sur ses réseaux sociaux, le rappeur a fait une belle annonce à ses fans. Il en parle mieux que moi. On l'écoute. Regardez. La famille, 26 décembre, concert sauvage au stade d'Angers. La cage sera au milieu. Tout le tout là, c'est la fosse. Donc,
Je ne sais pas, mais s'il y a cash, il y a peut-être combat avant le concert. Depuis le reste, c'est la fosse. Qui va rester dans la fosse? On ne sait pas. Qui va rester dans la cage? I don't know. Wait and see, en tout cas. Imra Don sera donc en concert le 26 décembre prochain au stade de Hongrie. Un concert en griffe sauvage, comme il le dit si bien. Force à toi, la machette du Wakanda. Voilà, on espère vraiment que tout va bien se passer et que ce spectacle-là sera une belle réussite, en tout cas. Voilà, même si tu es la machette, interdiction de venir avec des machettes. Voilà, c'est très important. Bravo, Assis. Oh, Assis. Un mot de cinéma pour la fin de l'info-buzz. Après le prix de la meilleure interprétation masculine au Nissa, le film Taxi Warren continue de glaner des lauriers. Taxi Warren a remporté le prix Lagoon Wood du meilleur film ivoirien lors de la 11e édition du Festival international du film des lacs et des lagunes. Félicitations donc au réalisateur Oasi et à toute son équipe. Rappelons surtout que le film sera projeté le 1er décembre prochain à l'Alliance française de Yakro et le 2 décembre à l'Alliance française de Korogo. C'est le cinéma ivoirien Made in Côte d'Ivoire, 2 de 5 qui gagne. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Les amis, faites sortir vos téléphones. Il y a bonne affaire, il y a affaire. Voici venu le moment de notre sponsor officiel Move Côte d'Ivoire. Chaque mardi, ça chauffe pas. Voilà, vos bonus sont calés. Ce mardi, bénéficiez de 200% de bonus rechargement via Move Money. Vous tapez étoile, 155 étoiles, 3 dièse. Donc c'est 100% de bonus rechargement à la cabine. 200% de bonus internet de 150 francs CFA à 1000 francs CFA via My Move et Move Money. 100% de bonus internet via étoile, 303 étoile, 3 dièse ou à la cabine. Récupérez vos avantages même après épuisement de votre crédit. Et cela jusqu'à 30 jours. Qu'est-ce qu'on dit? J'aime Move Africa. J'aime la générosité. Yep. Allez la famille, on ouvre mon agenda à présent. Vente privée, s'embellir avec Orly. S'embellir avec Orly vous invite à sa vente privée les 2 et 3 décembre prochains à Hongrie 8e tranche, près de Sicomex dès 10h. Bénéficiez de moins 50% sur les articles de la boutique. En invité donc vedette, nous aurons Kevin Aubin, Ami Niki et Dan Marcel. Voilà. De plus, un buffet américain et européen sans limite seront voilà. Il y aura un buffet donc américain et français, européen. Ces buffets-là seront offerts donc gratuitement et sans limite. Voilà. On va ou on va pas? Voilà, 07 07 91 44 67, 07 07 91 44 67. La famille, on marque une pause et derrière on va retrouver donc notre ami du midi. À tout à l'heure. Hop, on est de retour sur le plateau du web. Merci infiniment d'être avec nous. On va retrouver à présent notre ami du midi. Jingle. C'est un ami du WAM et il m'a confié qu'il aimait beaucoup la chaleur des Wamiens et Wamiennes venus du Congo-Brazzaville, spécialement pour vous. Accueillons, s'il vous plaît, le suprême lampadaire, le grand Zangoul, l'international RR, le double RR. Roga, Roga. Restez basse. Kaela Tikaya, la patrona, Gildas Ambendendefi. Mon ami Kaya, Miloïdo. Hey! Tu voulais me mettre, t'as tout simba canard.
pour notre ami du midi, Roga, Roga. Roga, Aquaba. Merci. Yep. Waouh, 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 waouh. Roga, Aquaba, bienvenue. Merci. Non, non, tu as déjà un micro là, celui-là, juste pour t'aider à chanter. Roga, ça fait plaisir de te recevoir. À chaque fois que tu viens, il y a une nouveauté ici. Exact. Là, là, maintenant, on a du public. Comment est-ce que tu trouves la chaleur ici, Roga? Magnifique. Total. Yeah. Merci. Alors, je ne sais pas, son regard m'intrigue depuis. Je le regarde, je ne sais pas ce qu'il fait. Monsieur, vous pouvez venir, s'il vous plaît, Roga. Parce que je ne sais pas si c'est un sapeur. Ah. Mais il prend un micro là-bas, il prend un micro là-bas. Est-ce qu'on peut avoir l'autre micro, s'il vous plaît? Voilà, venez. Ouais. Ah, l'élégance. Alors, ouais, sapeur. Oui, ça va très bien, monsieur. Ouais, ça va, je sais que vous êtes un grand sapeur, donc je vais vous demander une double chose. Vous allez décrire la sape de Roga, et vous, après, maintenant, vous allez décrire votre sape. Ah, équilibre. D'accord. Bon, style simple, déjà un pull blanc, pantalon blanc, une paire. Moi, je connais pas trop la marque, mais il rentre dans les décors. Faut bien regarder. Ah. Lacoste, putain. Ah. Ça mord un peu façon là. Regarde, regarde, tu es bien habillé. En tout cas, mon vieux, on aime ce que tu fais. Voilà. On n'a pas les rêves, on n'a pas la scène. Tu peux faire les rêves, sinon. Regarde, regarde. Mais toi-même, décris-toi, décris-toi. Bon style à l'ancienne. Dans le micro. Bon style à l'ancienne, 1989, voilà. Ouais. Chapeau, d'un vieux, la canne aussi pour équilibrer. Toujours. Toujours. Pas ça. Ce jour-là, t'as cédé ça où? C'est bon, la diapo. Bon, Danny Store. Hein. Danny Store. Voilà, Danny Store. Bon, ça dure avec moi. Ça fait plus de 5 ans, 7 pièces encore. La qualité, tu vois. Maintenant, canne, c'est pour qui? Le grand-père ou bien c'est pour les Ibo? Bon, c'est pour le grand-père, ça, c'est la troisième génération. Voilà, c'est clair. Pas flotteur, mais on applaudit pour nous. Merci, t'as tué. T'as tué, t'es vénéré. Merci. Merci beaucoup. Allez. Oui. Y'a quoi? Son habit de grand-mère. Hein? Elle vous dit où son habit de grand-père est quitté et puis où ça s'en va? Aïe. Donc, ils se sont profités pour faire promo en même temps, quoi. Ah! Oui, bon. Ok, quand vous êtes là, on ne peut pas dire non. Donc, vous parlez, feu de bois, oui. Willy, bonjour à tous, c'est la structure 90 Corporation. Nous avons un événement prévu pour ce samedi 2 décembre du côté de Jah Live à Grand Bassam, juste à côté de l'Étoile du Sud. Donc, nous avons des tickets en vente à 10 000 et à 20 000 francs. C'est un feu de bois, en fait. Donc, venez, on va s'amuser, on va revivre la chaleur qu'il y avait dans les années 90. Mais comme c'est au bord de l'eau, on ne vous sapez pas trop comme lui, quoi. Voilà, donc on vous attend. Vous pouvez nous contacter au 01 43 35 01 32. Donc je reprends 01 43 35 01 32. Vous pouvez dormir sur place et aller tente. Allez, tente. Hein. Ah, d'accord, ça marche. Okay. Il y a Nat, il y a Andra, il y a tout là-bas. Ça marche. Merci. Merci, les amis. Merci d'être passés. On fait encore du bruit pour eux, s'il vous plaît. Et notre ami du midi n'est autre que Mister Roga Roga. Le grand. Plus d'une vingtaine d'années dans la musique, je dirais plus d'une vingtaine d'années, on ne compte plus les années, on ne compte plus les scènes, on ne compte plus les salles, on ne compte plus les stades. Roga Roga, waouh, quelle carrière. Mais merci. Malgré ça, il ne s'arrête pas, il continue toujours. Ben là, ouais. On doit continuer parce que c'est très important. Mm-hmm. Parce qu'à travers notre musique, il y a des gens qui se retrouvent. Ouais. Il y a des gens, quand ils sont malades, dès qu'ils écoutent la musique de Roga Roga, ils sont guéris. En même temps. Et il y a d'autres, par exemple, ils ne sont pas inspirés par rapport à l'école. Mm-hmm. Mais dès qu'ils écoutent la musique, voilà. Mais il y a d'autres aussi qui arrivent à avoir un peu de la pensée. Ouais. Parce qu'à travers la musique de Roga Roga et Extra Musica, ils ont connu peut-être un homme mm-hmm. ou une fille. Et dès qu'ils écoutent cette musique... Il se rappelle. Il se rappelle directement. Il se rappelle directement. Là, voilà quoi. Mmh. Ça, en tout cas, notre musique, c'est pour égayer et faire plaisir à tous ceux qui ont la croyance. Ouais. Tous ceux qui croient qu'à travers la musique, parce que la musique, c'est aussi l'esprit. Hein. Mmh. Ouais, donc voilà quoi. C'est ça, waouh. C'est fort en tout cas, c'est bien dit. La musique, c'est l'œuvre de l'esprit. Mmh. Et Roga est avec nous. Roga donc qui, ce sont plusieurs années, comme je le disais tantôt. Et on va essayer un peu de se remémorer tout ça.
Mais avant aussi, regarde, tu sais, ici, c'est une plateforme où il y a des talents. Exact. Et on a décidé aussi de mettre en exergue un talent, notamment Landry Blessing qui est là. Ah. Tu as dû peut-être entendre une fois, tu as dû voir peut-être. Ouais. Landry, Yaka. Ah, il parle Lingala. Ah bon? Yaka. Ils ont bricolé Nangaï parce que voilà. Ils ont bricolé Nangaï. Ils ont bricolé Lingala. Voilà, on bricole un peu. Bon, on fait comme les Congolais parce qu'on aime beaucoup le vieux Ruga Ruga Plutsi. Yes, oui. Vieux Nangaï. Landry. Alors, ce qu'on va faire, on va nous sampler. Voilà. Même il y a Nzungu. Nzungu. Tu vas sampler Nzungu, vous allez découvrir en exclusivité donc tout à l'heure. Ou au pire, tu mets les deux, tu mélanges, tu commences par les pubs. Maintenant, il va te faire un Natalakou. S'il a tué, je ne sais pas. Peut-être tu as lui offrir un featuring, je ne sais pas. S'il a tué, peut-être aussi tu as un jeton, je ne sais pas. Allez, oui. Oui. Faut tuer, faut tuer. Ben, franchement, je ne sais pas. Bon, on va essayer de mettre sur 10. Hey 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 10 hey sur 10. Merci, Lara. Bien, Lara, merci. Bravo. Hey merci. Wow, il est fort. Il a trop d'aéré. Merci, papa. Prends le poilet. Je te promets, oui, avant que je puisse regagner Brazzaville. D'accord. On va faire un feat. Merci. Merci là-bas. Vraiment merci bien Nangaï, que Dieu te bénisse. Amen. La mort me manque. Merci au Seigneur. Merci, merci à Willy Dombo, on applaudit. Merci, on applaudit, merci. 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 Bravo. Merci. Waouh. Applaudissez encore pour Willy, s'il vous plaît. Et faites du bruit, s'il vous plaît, pour Monsieur Roga.
Dans quelques instants, on va découvrir donc en exclusivité encore, en réexclusivité, on va dire quelques minutes de Nzungu, la marmite. Mais avant, on va passer à ce qu'on appelle donc sur le canapé. Il y a forcément des personnes qui veulent poser des questions ou une question. Alors, je commence ici. On dit, maman, la question, elle est là. Applaudissez, maman, la question, s'il vous plaît. Allez, tu te présentes et tu poses ta question à Rogard. Non, je ne peux pas laisser. En fait, je m'appelle Amandine Akon. Voilà, merci beaucoup, Willy. Vas-y. Je commencerai par dire que ma tante est très fan de vous depuis le temps. Waouh! On fait plein de bisous à la tata. Voilà. Une petite parenthèse, à la fête du 8 mars, nous sommes allés en boîte. Et puis, elle a demandé au DJ de lui mettre... Elle ne connaît pas votre nom, en fait. Elle a dit « Oh, ah, oh, oh ». Elle a commencé à danser. OK, je voudrais savoir... Vous avez commencé votre carrière en quelle année exactement? Parce que moi, je suis née et j'ai trouvé que mes tatas... Elle dansait ça. Voilà. Oh ouais. Donc, je voudrais savoir en quelle année exactement. Ben, Extra Musique a été créée en 1993. Mm-hmm. Mais avant 93, on jouait d'abord dans des chorales. Oui. Et c'est en 90 que... On était dans des chorales comme Saint-Odile, des chorales de notre quartier, hein, de l'église de notre quartier. Oui. Mais après, il a fallu que je puisse avoir l'idée de créer le groupe Extra Musica. Mm-hmm. Bon, c'était juste pour révolutionner la musique jeune, parce que à Kinshasa, la musique jeune évoluait. Donc, mm-hmm. il y avait Wenge Musica, il y avait ainsi de suite. Mais au Congo, on n'avait qu'un seul orchestre Bantu de la capitale qui était devenu déjà l'orchestre des vieux. Mm-hmm. Oui. Donc les jeunes étaient un peu privés de l'ambiance. Il a fallu que je puisse avoir l'idée pour créer Extra Musica en 93. Donc en 93, j'avais dans les 16 ans, 17 ans. Mmh. Donc c'est pour cela qu'à 16 ans, 17 ans, on avait déjà le succès. Oui. Et voilà quoi. Mais je suis encore jeune. Je suis toujours jeune. Très jeune. Très jeune. Très jeune. Voilà. Une autre question. D'où avez-vous puiser l'inspiration pour la chanson Beaucoup, tout à l'heure, quand on a dansé. Mais je le dis tous les jours, c'était un jour que je dormais. Et pendant que je dormais, je rêvais un son. Et je me suis réveillé et j'avais toujours le son dans ma tête. Oui. Bon, il a fallu que je ne puisse pas oublier. J'ai essayé un peu d'enregistrer avec mon portable. Vous savez, dans les portables, il y a des dictaphones. Mm-hmm. J'ai enregistré. Après, le lendemain, on avait répétition. Et quand on était en train de répéter, je fais appel à mon clavieriste. Je lui ai dit, bah, écoute, hier, je rêvais à un son, mais je pense que ça vient de l'au-delà. Oui. Essaie de jouer. Et puis, nous allons faire la symbiose avec la batterie et les tumbas. On va voir ce qui va... qui va donner. Mmh. Et puis, ils ont essayé de faire. Bon, il y avait... il a fallu qu'on puisse enregistrer, filmer. Nous avons mis... On a essayé de mettre sur ma page pour essayer un peu de voir la réaction des gens. Mmh. Mais je te jure, en deux jours, on atteint 2 millions de vues. Waouh. C'était... Incroyable. C'était formidable. Oui. Et à partir de là, j'avais décidé, je dis bon, on s'en va directement au studio pour enregistrer. Et puis on a enregistré, on a sorti le 15 août et puis voilà. Wow. C'est venu comme ça. Plusieurs millions de vues maintenant, si. En vrai, Willy, je peux confirmer parce qu'au Cameroun, cette chanson, ça danse partout. Merci beaucoup. Ça danse partout. En réalité, on cherche même le message de la chanson parce que... Le message, je ne sais pas le message, c'est Mais le message, en fait, le O.A.O., c'est nos ancêtres. Mm-hmm. Oh, d'accord. Et quand ils fréquentent, nous les Bantous, hein, je sais qu'il y a des Bantous aussi en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Ouais. Parce que c'était un peuple qui était au sud de l'Égypte. Mm-hmm. Ils ont migré, il y a d'autres qui sont venus ici, il y a d'autres qui sont partis au Nigeria, il y a d'autres au Congo, d'autres en Afrique du Sud. Donc, ça reste. En fait, on peut tout perdre. Mais la musique représente la culture ancestrale. Oui, c'est vrai. Donc le O.A.O., tu vas trouver ça au Gabon. Si tu fouilles bien dans la musique même ici en Côte d'Ivoire, dans la musique ancestrale, tu trouveras ça. Ouais. Et donc c'est un peu chanter en sourdine quand il y a la musique.
Et nous avons essayé de mettre ça parce qu'il s'agit de Bokoko. Bokoko, c'est la tradition. La tradition, c'est ça. C'est la tradition. Et c'est ça qui fait la particularité de cette chanson. Roua, roua. Franchement, merci. On va remettre le micro à quelqu'un d'autre. Qui c'est qui veut poser une question? Voilà. Merci. Frère Nangai, viens. Assieds-toi. Tu te présentes et tu poses ta question à Roua. Ok, bonjour. Bonjour. Moi, c'est DJ Ferré. Dis merci. Enchanté. Voilà. Bon, moi, j'aimerais savoir... Didier qui? Ferré Dimes. Ah, ok. Dimes, d'accord. Bon, aussi fanatique de la musique rumba. Ok. Ok, voilà. Enchanté. Bon, moi, j'aimerais savoir pourquoi... Mais c'est ton vrai nom? Bon, c'est mon nom d'artiste. Son nom d'artiste, voilà. Okay, d'accord. Marche. J'aimerais savoir pourquoi Zaparo de Guerre vous a quitté. Bon, je ne sais pas. Ben, il faut savoir que quand un enfant grandit dans une maison, il a aussi besoin d'aller créer son environnement. C'est ça. On ne peut pas empêcher. Mmh. Ce n'est que normal, c'est la continuité d'Extra Musica, ça fait partie de l'univers d'Extra Musica. Et tout le plaisir est pour moi, je suis fier. D'accord. Voilà. Ok, merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on va applaudir. Pour... On a ouais, deux questions. Bon, le monsieur et après la dame. Voilà, rapidement. C'est DJ aussi? Bonjour. Non, je suis chantre. Chantre, d'accord. C'est quoi ton nom? Exauce Trésor. Exauce Trésor, d'accord, ouais, très bien. Exauce. Pose ta question. Bonjour. Bonjour. Le mot me manque parce que c'est vraiment un honneur pour moi. Dis-moi. J'aimerais vous demander comment vous faites pour traverser la génération parce que j'ai l'impression que le temps passe, mais elle n'a pas d'influence sur vous et votre musique. Vous avez fait danser nos parents, vous avez fait danser nos grands frères et vous faites danser aujourd'hui nous les jeunes. Ouais. Donc je demande quel est le secret parce qu'une chose est de commencer, mais une autre chose est de rester et puis de durer dans le temps. Ouais, donc je voulais savoir quel est votre secret. Ben, nous sommes des artistes, mais ceux qui consomment nos œuvres, c'est des fanatiques. Il faut être toujours à l'écoute des fanatiques. De temps en temps, il faut voir comment la musique évolue. On essaie un peu de prendre 30% de ce qui est aujourd'hui, de métisser avec ce qu'on a déjà depuis. Et il faut surtout savoir que aujourd'hui nous sommes au temps du numérique et ça va vite. C'est ça. Ça va vraiment vite. Et de temps en temps, il faut aller vers le public, que ce soit le public jeune, que ce soit les vieux. Il faut les écouter pour essayer un peu de prendre quelque chose. En fait, en réalité, il faut seulement être dans la réalité des choses, dans la réalité des choses, dans la mode. Ouais. La mode et ainsi de suite. Voilà quoi. C'était ma question. Merci Exauce Trésor, on va l'applaudir très fort. On remet le micro à la sœur. Voilà, qui arrive. Allez, rapidement. Bon, le mec en rouge d'abord. Voilà. On a la dame qui arrive. Voilà. Vous posez votre question, vous présentez, bonjour, et puis vous posez votre question. Salut tout le monde, déjà salut grand. Merci. Bon, je m'appelle Brinette Lemondé. Brinette Lemondé. Oui. Mbote. Mbote Nayo. Je suis très ravie d'être parmi vous. Naoutikini, quoi. Enchanté. Donc, excusez-moi, je vais d'abord poser en lingala et puis aller en français. Vas-y. Viens à lingala tout na. Nenye nino salaraka, raposa la rakaka. Sikseso kitate ozakaka. Malgré un ozakaka. Secret zalaranini. Il faut traduire, hein, je pense. Ben, je lui posais la question. Je disais que pourquoi et comment il fait juste pour qu'il soit à l'auteur. Si. Malgré que les gens partent, mais il est là, au top toujours. Mais c'est ce que je venais de dire. Ouais. Il faut toujours écouter son public. Il faut travailler selon la mode. Et ne pas oublier ce que tu as l'habitude de faire. Mais toujours métisser avec ce qui se passe aujourd'hui. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, vous avez votre secrétaire qui est habitué à écrire sur... Comment l'appeler ? Dactylo. Dactylo. Et qu'elle est toujours dans cet appareil, je pense qu'elle va être déconnectée de ce qui se passe aujourd'hui. Vraiment. Donc, il faut toujours savoir... Aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle qui arrive. Ouais, et donc, c'est un conseil que je profite de dire à tous nos jeunes de savoir que la vie de demain, c'est l'intelligence artificielle. C'est ça. Et celui qui ne va pas vraiment, qui pense qu'il va pour lui rester dans
dans, comment on l'appelle, dans sa zone de confort, on va dire. Et je pense qu'il va être dépassé. Dépassé, ouais. de ce qui va venir après. Donc moi, je cherche toujours à être dans la mode. Si vous écoutez Bokoko, vous allez comprendre qu'il n'y a pas d'animateur, il n'y a pas de guitariste. Oui. J'ai essayé de mettre le rythme, le nouveau rythme. C'est ça. Et dans la musique de Bokoko, j'avais même dit que vous étiez en train de nous attendre à travers les CBNN, à travers les animations. Coup, ouais. Nous avons changé. Mais je suis sûr que tout le monde vous allez suivre. Vous rendez compte que c'est effectivement. Ils ont suivi. Vraiment. C'est ça, juste ça. Merci. Merci, Pelimakasi. Et Willy, j'allais profiter pour dire, je suis là pour un single. J'ai fait une chanson spécifiquement pour vous. Oui. C'est une chanteuse. Ah, d'accord. C'est pour vous. Je suis venue avec la chanson pour vous déposer. Tu peux faire un a cappella, peut-être on ne sait jamais. Le grand frère est là. Je vais faire un a cappella de ma chanson à moi. Okay. D'accord. Soki baboyo kolelate kotamaki osalaste mai ovendaba nakoki jamais komitika posekanga lisolo na ngai ya bolingo nakolela epai ya nani pasi mpo nga namona na kati ya baferango nakolela epai ya nani ba déception bolingo lingaki ngai na fionuka na sila nzoto nakokota na barégime ya babebe potepota masango mbinzo na soya. C'est juste pour dire que si un homme te laisse, ne te laisse pas, va faire le maquis et tu prends le bain, tu prends trop de bouillie, tu fais la peau. Merci. J'adore. Hey. Ah ouais. Bon, d'accord, elle a une chanson qu'elle a faite pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? On la reçoit ici vendredi en première partie. Et puis on avance. Ça marche. Merci. Merci, sœur. Merci. J'aime les gens qui savent saisir les opportunités, c'est important. Si tu donnes un trop de la vie, c'est pour toi qui s'en va. On va venir maintenant sur l'actualité de Roga Roga, que je vous demande d'ovationner très fort, s'il vous plaît. L'actualité, on parle d'une marmite qui chauffe, qui bouillonne. Exact. C'est quoi cette marmite-là? La marmite de la maman. Oui. Et la marmite qui est aujourd'hui sur le marché, ça fait un mois. Oui. Et je suis venu uniquement pour informer les gens qui ont adoré, qui ont aimé, qui ont dansé sur le son Bokoko. Bokoko aujourd'hui a son petit frère. Donc Njungu, ça vient de sortir, ça fait un mois. Oui, à peine. Donc vous allez profiter de vous abonner sur la page de Roga Roga. C'est cela, la page Facebook de Roga Roga, tous les comptes Facebook et surtout aussi YouTube aussi. YouTube, c'est cela. Vous écrivez Njungu, vous allez voir, c'est un clip magnifique. Magnifique. Si, si. Et puis le son est vraiment à la hauteur. À la hauteur, effectivement. Et c'est-à-dire, nous, on vous a donné sur la table juste le poulet. Mais vous avez le riz maintenant, si, si. Que vous pouvez manger ensemble. C'est ça. Donc, Njungu est beaucoup. C'est bien dit ça. Allez, justement, on va regarder quelques secondes donc de Njungu. Nouveau single signé, le maître, Roga Roga. Regardez. Je suis Roga Roga, enfant venu du Congo. Vous avez dansé vos cocos, voici pour moi. Quelqu'un ici qui, qui arrive ici à nous dire exactement sur quelle marmite. Voilà, on fait du bruit pour ma Monique. Monique, ça va? Oui, ça va. Ah, Monique, t'as tenu à joli, hein? Merci. Oui. Ah. Hey, Monique. Hey, Monique, voici Roga ici. Tu as écouté, dis-moi, tu prépares aussi à la maison sur truc, non? Oui. Marmite. Je prépare aussi marmite.
Ah. Ta mamie, tu mets quoi? Je mets tout dedans. Tu mets tout dedans. Ah, bon, regarde, faut nous montrer comment tu prépares, par exemple, sauce akpi. Qui la mélodie? Nzungu. P. Non, chante. Nzungu, préparez. Akpi, dans ma mite. Nzungu, préparez. Sauce, dans ma mite. Elle a tué, non? Il n'y a pas de panne ici. Il n'y a pas, il y a tout le panne. Quoi panne? Non, ça c'est trop grand. Attends, on déchire. On déchire. Tout le panne là-bas, La danse, le tengu. Il y a panne. Attends, fou là. Bloc sur le rythme. Voilà. Voilà, la danse le tengu. Vas-y. La danse le tengu. Très facile à danser. Prenez un panne. Tournez autour des reins. Monique. Allez, balancez. Je vais apprendre un peu. Ah Monique, voilà, regarde bien. Ça? Comment on danse ça? Tu balances les reins comme ça. Tu es là. Tu vas gauche à droite. Gauche. Droite. Gauche. Voilà. Voilà. Monique. Balancez, Monique. Apparemment, Monique, ça va quand même, mais c'est un peu... Est-ce qu'il y a une fille qui peut balancer bien ici? Est-ce qu'il y a une fille qui peut tuer? Est-ce qu'il y a une fille qui peut balancer? Il y a une fille qui peut venez, tuer. Venez. Qui? Qui peut balancer? Bon, attends, il y a une là-bas. Viens. Venez. Bon, on marque une pause. Et puis quand on revient, on gâte le coin. Hein, exact. Viens, ma chérie, viens. On est de retour. Allez, ma chérie, comment tu t'appelles? Jennifer. Naounou. Oui. Hein? Le Naounou, le grand Naounou là. Hein? Ayokao. Willy, oui. Chez nous au Congo, uh-huh. Les filles savent bien balancer. Hey, ma chérie, il ne faut pas gâter notre nom. Mais est-ce que ici à Abidjan, hey. On va voir. Hein? Ma chérie, Naounou, yo compte sur toi. Tu veux des gâter. Yo Pougon, oh. Hey. Le patron des patrons, bon, c'est des boss. Il donne une main au bras. Voilà! Viens. Garçon. Il y a un garçon qui a fait un. Viens. Donne-lui. Faut tuer. Hein. La danse, les ténèbres. Mon ami, faut pas gâter notre nom. Hein. Non. Merci, ma puce. Tu as tué. Merci beaucoup. Tu as tué. Applaudissez bon, pour elle. Tué. Non, elle, c'est bon. Yéli. Bon, on voit la sauce. DJ. On voit la sauce. Paye. Hey.
Yoga. Tu poses question là, déjà, c'est quand tu danses. Allez, mon ami. Mon ami. Tu t'appelles comment? Abraham Lincoln. Tu viens d'où? Abraham Lincoln. Eh? Ouais. Tu viens d'où? Je viens de Yopougon. Yopougon. Ouais. Mais, attends, attends. Je te signale que chez nous au Congo, quand tu n'as pas l'argent, mais c'est ça, c'est ça qui fait à ce que la femme ne puisse pas aller. Merci là-bas. Prouve-nous ça. Vas-y. Le patron des patrons, bon, c'est des bosses. Il donne des mains au diable. Besoin d'attacher même. Oui. Petit, libellule. Jamais laisser ces petits-là accompagner ta femme. Jamais. Parce que les petits, hey, voilà. C'est dangereux. Est-ce qu'on peut voir tout le son maintenant? On y va. Hé, hey, regarde, tout le son, tout le son. On reprend tout le son. La patronne a gagné la titana. J'ai dans sa belle, Yesu. Reste mal de meilleur, César Kouta, vous et toi, les bons Tindao Bata, il est là Gislain, ils sont Igani, BDG Michel Mungu, mon ami Gaël Nguesso, Mike Mwanga, Hug Henri Bolondele, Brice Le Petit. C'est des boss, des dents, des mains, au diable. Ahora, Igwe.
fort, le dragon de la monnaie, Willy et Toka, TDG. L'immortel, c'est le combat. Moine R.O., Elika Nangaï, Jamaïque, Nava, les Olefs. Otelema, Esther Osenge, Aliou Sissi, Ablot Diallo, Gay Mamadou, Jimène Moukouari, Valérie Emmanuel, Richard Conseil. Mais surtout, allez dès maintenant sur YouTube et faites pleuvoir les millions de vues. Maître Roga Roga est avec nous aujourd'hui. Merci. On fait du bruit pour lui. Merci d'être passé. Sortez-vous la parole. Au revoir. Oui.